Et salut à tous les amis, c'est Ludo et on se retrouve aujourd'hui pour ce 17e épisode sur le parrain. Oups, désolé monsieur. J'ai été, juste avant l'épisode, j'ai été faire un petit peu de quelques petits trucs. Donc j'ai été reprendre, récupérer une arme de niveau 2, non 3, niveau 3. Donc voilà, un petit revolver en or. Juste putainement stylé. J'ai été récupérer aussi comment ça s'appelle? Quelques commerces pour gagner un peu plus de sous. Et donc là, on va aller s'attaquer tout de suite à cette famille-ci qui dans le dernier épisode m'a bien défoncé la gueule. Et donc on va voir ce que ça donne. Et elle est tranquille. Y a déjà des mecs ici. Non, pas toi. Je peux pas le viser pour l'instant. Wow! Ah ouais, direct qu'il me tire dessus lui. Alors, on va y aller tranquille. Éviter de se faire buter. Hop. Il est super bien ce flingue. Il est très très pratique. Lui, il a une mitraillette, il merde. Il est. Ouais, il est surpuissant ce flingue là. C'est plutôt excellent. Non, pas les habitants, je m'en fous. Enfin, les habitants. Yes! C'est cool. Donc, ça me rapporte un peu plus de sous que. Et qu'auparavant, chose qui est plutôt super cool. Ouais, non, les mitraillettes, j'ai mes munitions à fond, donc c'est bon. Donc pour l'instant, je vais garder un petit peu le petit flingue. Non, l'autre. Oh là là, hey, ils sont nombreux. Voilà. Tu vas derrière le muret. Sors de ta cachette! Ouais, je veux vraiment essayer d'y aller tranquillou, je veux pas crever bêtement. Ce que j'ai l'habitude de faire généralement. Waouh! Genre là, je me suis pris une balle bêtement. Hop! Ça c'est très bien. Il y a des remèdes, mais je crois qu'ils vont disparaître au bout d'un moment quand même. Wow, wow! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je sais même pas si j'ai des points de capacité. Je vais voir vite fait. Si j'ai des capacités. J'en ai deux. Alors, on va mettre. Combat. Pff, non, pas trop. Je vais éviter le corps à corps. Vitesse. On va prendre de la vitesse. Vitesse attaque, déplacement. Ouais. Ouais, si, on va prendre ça. Hop. Et on va continuer notre petite guerre. Lève-toi! Allez. Tu ne veux pas te lever? Bah voilà. Mais quoi, il est vraiment pas évident ce jeu-là quand même, hein, parce que je meurs souvent. Moi, tu te lèves, toi. Fou. Il a même pas eu le temps de cligner des yeux que je lui avais déjà mis une balle entre les deux yeux. Mais allez, voilà. Faire charger. Ouais, voilà, comme ça.
C'est un peu chaud hein, quand même. Parce qu'en plus, je vous rappelle aussi que j'ai pas de son sur ma télé. Ouah. Il m'a bien dépouillé lui. Ah comment il m'a bien dépouillé lui. Il n'y a pas de vie. Là j'aimerais vraiment choper un peu de vie. Il y en a à l'extérieur mais... Ce qui est si je ressors, j'ai peur de... J'ai peur de... qu'il y ait d'autres personnes qui... Kirpop, genre là, lui, je m'y attendais pas. Hop. Il y a une personne. Non? Il y a personne d'autre. Ah, il y a de la vie, là. C'est bon, ça. Alors, on va prendre la mitraillette, cette fois. Voilà. On recharge. On se casse. Parce que là... On va pas faire long feu sinon. Hop. Allez! Et il veut pas. Voilà. 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 Non mais. Non! Voilà. Toi. Allez. Voilà. On va récupérer un peu de mun. Et tout le tontouin. Je sais pas s'il y a de la vie. Oui. Super. Il n'y a personne dehors. Bon bah on va se faire la deuxième maison. Oh. Ah le malin. Voilà. On va récupérer ce qu'il a... Ce qu'il a laissé par terre quand même. Hop. Ça fait toujours un peu de sous et des mines surtout. Parce que là j'ai besoin de mines. Pas mal de mines. C'est vraiment pas évident. Oh là. Allez. Allez, sors de là. Ce qu'il y a, c'est que lui. Là, il y en a un en moins, le deuxième, il va mourir, voilà. Wow, il m'a fait flipper lui. Un truc de ouf. Ça s'est fermé, ok. Alors là, il y a un mec. Je vois pas grand chose. Ok, ouais. Il est violent. La violence du type. Ok, il n'y a plus personne. Non, c'est bon. Bon, bah, hey, ça se passe plutôt super bien pour le moment. Clac, on a récupéré de la vie, des munitions. Pouf, pouf, pouf. C'est merveilleux. On recharge. On pose la bombe, on se casse. J'aurais peut-être dû regarder. Le chemin, non, c'est bon, c'est là. Allez. Voilà. Super. Ça, c'est bon. Donc, plus tard, ça, ce sera un de nos lieux, du coup, où on pourra... on pourra venir sauvegarder. Bon, bah, super. Ça, c'est fait. Dès le début de l'épisode, je suis content. Bon, on va prendre une bagnole. Et je propose que
pour le moment, là, on aille faire la croix jaune. Une petite mission secondaire. Et après, ensuite, on ira s'occuper de la quatrième famille. Ouais. La quatrième famille. On ira leur péter la gueule. Quoi ? Ah bah oui, non mais j'ai vu là les flics. Ah mais c'est chaud, j'avais pas fait gaffe. C'est chaud. Ah bah, avant de faire la mission, on va quand même s'occuper de ces flics. Ah ouais, j'aurais peut-être dû mettre sur loi de la rue au lieu de mettre... Attends, j'ai peut-être des capacités là. Hop. Ouais, j'en ai chopé deux. Loi de la rue, direct. Boum. Ouais, on va améliorer nos contacts avec la police. Ce sera sympa. Ce sera très sympa. Il n'y a pas un endroit où je pourrais sauvegarder. Alors. Ouais, c'est assez loin. Mais bon, il faut bien que j'y aille de toute façon. Et dans le dernier quartier, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a pas mal de... Pas mal de boutiques à choper. Ah ouais, il y a vraiment pas mal de boutiques à choper. On va pouvoir se faire plein de business ici. Et récupérer pas mal d'argent. C'est plutôt cool. Là pour l'instant, on va déjà aller sauvegarder vite fait. Laisse pas de là. Hop là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Oh là 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 là. Ouah. C'est pas ouf. Mince. Ok. La deuxième. Ouf. C'était tout juste. Ah bah non, mais ça y est, j'ai semé les flics. Ouais, super. Super, j'ai semé les flics. Bon, on va aller faire la mission annexe. Alors le plus court, je pense que ça va être de... Non, pas du tout. Faut que je revienne vraiment en arrière. Que je retourne dans le troisième quartier. Et je crois que c'est sur un pont. Je sais plus. Mince, je voulais m'arrêter de prendre la voiture, mais vu que j'ai un peu défoncé, je vais pas la prendre. Mais non, mais arrêtez. En fait, faut juste sortir du quartier, je pense, pour ne plus avoir les flics à notre dos. Ah ouais, bah ouais, non, dès qu'on revient dans ce quartier, c'est chaud. C'est super chaud dès qu'on revient dans ce quartier. Mais genre... Allez, barre-toi. Donne-moi la voiture. Ça va, quand il y a un seul insigne de police, ils sont pas bien violents, mais voilà, là je récupère tout. Je suis dans la merde. Non, faut vraiment que je me casse de ce quartier. Ça craint un max. Et du coup, si je vais contourner. Ah, laissez-moi tranquille. Ouais, vas-y, prends-toi le mur. Oh là là, t'as écrasé quelqu'un, commence pas bien. Je vais prendre cette voiture, elle est carrément plus rapide. Bonjour messieurs la police. Hop, voilà, si j'ai encore des gens, ça va pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais contourner, voilà. Très bien, très bien. Ouais. Je pense que je serais pas emmerdé comme ça. Vous allez me laisser tranquille, vous. Tiens, prends-toi de la voiture, voilà. Oh là 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 là. Mais quel pilotage. J'ai un petit peu trop freiné, là, quand même. Ouh. Ah. C'est toujours au démarrage qu'elles sont un peu plus difficiles à contrôler, les voitures. Ok.
Bon, bah, en espérant que. En allant sur le pont là-bas, je vais pas me faire emmerder par les flics. Ah, ces voitures sont vraiment très très rapides, j'aime bien. C'est vraiment super agréable. Mais voilà, dès qu'on est au ralenti, enfin dès qu'on va pas vite, elles sont presque incontrôlables les voitures. Mais toutes les voitures. Oh là, Sparou. Ok, tout droit. Ensuite, je prendrai la prochaine sortie. Et ouais, bah j'espère que ça va me rapporter pas mal d'argent quand même cette mission. Alors là, par où qu'on tourne? Ok. Et il faut que je reprenne encore la prochaine sortie. Là. Voilà. Oh non! Ça fait mal. Ah non, merde, c'est le pont qui va. Oh mais non, mais c'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Même ici, je me chope tous les flics. Oh, c'est inadmissible. Eh ben, il va peut-être y avoir un changement de programme. Je pense qu'on va se faire directement. Non, je suis en feu. Ouais, on va redescendre et on va aller directement à notre mission bleue en attendant. Je me casse vite, ça fait le boum. Et si ça fait boum à côté de moi, ça fait mal. Allez, donne-moi ta voiture. On redescend. Hop là. Et voilà, on va aller à l'autre quartier. Et puis voilà, bah, parce que, bah, ouais, on n'a pas trop trop le choix pour le moment. On n'a pas trop trop le choix. Sinon on va se faire emmerder par les flics, et les flics ils sont extrêmement violents. Alors si je peux ne pas mourir sur cet épisode, ce serait cool. Ce serait vraiment très cool. Oh là 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 là. Et avant de faire la mission bleue, bien sûr, je vais récupérer plein de magasins. Parce que les magasins, ça va me rapporter plein de pognon. Qu'est-ce que tu vends, toi, mec? Ou alors t'as un problème, je ne sais pas. Ah, oui, bah si. Il m'en faut une. Il m'en faut au moins une. Non, attends, j'en ai combien? Déjà j'en ai deux, c'est bon. Il m'en faut deux hein, pour exploser la maison adverse. Et donc voilà. On est parti. Alors j'espère vraiment que je vais pas me faire emmerder en essayant de choper les magasins. Parce que souvent ils appartiennent à quelqu'un et tout. Mais là, apparemment, ils appartiennent à personne. Oh non, ça bouge beaucoup. Ils appartiennent à personne. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, alors première boutique, apparemment, c'est là. Alors. Bonjour, monsieur. Ça se trouve, ils vont pas vouloir. Hein. Oh, si direct. Eh, mais je sais pas pourquoi, mais maintenant, je leur parle et direct, ils me filent leur accord. C'est juste génial. Quoi? Ok, le business appartient déjà à quelqu'un par contre. Ok. Casse-toi de là. Voilà. Non, là, les gars. Ok, maintenant je suis au courant. Maintenant, je vois comment ça se passe.
Il n'y a pas de souci. Vous allez mourir. Ah non, mais là, c'est moi qui vais mourir. Je suis vraiment à deux doigts de mourir. Allez. Oh là 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 là. Non. Non. Pourquoi j'ai sorti la batte de baseball? Mais allez, shoot-le, voilà. Oh, j'ai eu de la chance. Allez. Ah, j'ai récupéré de la vie. Ça, c'est cool. C'est vraiment très cool. Bon. Non, c'est pas fini. Si, c'est fini. J'ai arrêté de m'emmerder. Moi, j'ai récupéré toute ma vie, là. Ça, c'est cool. Non, mince. Je voulais pas vous tuer. Je suis entièrement désolé. Je voulais absolument pas vous tuer. Et ça, c'est... Ouais, non, c'est la sortie. Ah, du coup, je leur ai tiré dessus. Je peux peut-être pas choper le business. À moins que ce soit au-dessus. Ok, donc c'est pas fini en fait. Et il y a encore du monde. Voilà. Oh, il y a de l'argent à se faire ici. Placer une dynamite. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est pas cool. Hop, 600. J'ai gagné, ouais, 620$, ouais, c'est pas exceptionnel. Utiliser l'ascenseur. Ok, donc il y a encore du monde là. Voilà. Allez, viser. Ouais, non, oui, non. Arrête de bouger. Ouf, je l'ai blessé à mort. Voilà. Voilà. Donc toi, donne-moi... Voilà. Ah non, donne-moi, c'est... Yes, cool. On a un nouveau business, un nouveau magasin. C'est cool. Donc ça, ça nous appartient. Et bah comme ça, on gagne de l'argent. On gagne beaucoup plus d'argent. Enfin, pas pour le moment, ça va venir petit à petit. Non, mince, on ne peut pas sauter. Ça va venir petit à petit, l'argent. Et du coup, bah pour tout ce qui est armes de niveau 3, on pourra les acheter, tout ça. On pourra même se faire sûrement un petit plaisir avec les fringues. Acheter quelques fringues et tout. C'est cool, ma voiture est restée là. D'habitude, elle ne reste pas là. Là, je pense qu'on peut peut-être prendre cet hôtel. Ça m'a l'air balèze. Ça m'a l'air assez balèze à choper. Ouais, ça m'a l'air assez... Je sais pas, on va voir. Je fais rien de mal pour l'instant. Bonjour, monsieur le patron. Ah non, mais bouge de là, ça m'énerve. Allez, casse-toi, voilà. Hop là. Tu veux bien ou tu veux pas bien? Oui! Ça, c'est super. C'est super. Parce que du coup, on peut même aller sauvegarder maintenant. Je pense. Ouais. Ouais, 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 on peut... Attends. Ah non, faut l'acheter, la planque. Oh. Oh, ça va coûter cher. Salut, madame. Ok, là, ma fête danse toute seule, ouais. Ouais, non, bon, on va redescendre.
Et on va aller attaquer directement l'autre. L'autre famille. Comme ça. Bah, ce sera fait, j'ai envie de dire. Ce sera fait et il n'y aura plus qu'à choper plein de magasins et tout ça. Et puis, continuer la suite de l'histoire. Au passage, j'aurais pu m'arrêter pour prendre le magasin quand même. Pas bien grave. Ok, donc là ça commence déjà direct avec un barrage d'entrée de jeu. Alors je pense que cette famille, ça va être assez délicat pour l'avoir. Ils vont faire mal. Ouais, ça tire de partout là, c'est pas bon du tout. Hop. Allez, qui veut ce castagne? Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Des volontaires. Toi, t'es volontaire. Voilà. Encore. D'autres volontaires. Ah oui, je te vois venir, toi. Et toi aussi. Ouais, je vous vois un peu tous venir, en fait. Est-ce pas que vous faites peur, quand même, un peu, mais... Je crains les balles, tout comme vous. Oh putain. Comment ça, on me tire de... Ah ouais, tout est planqué là. Saligo, hein. Espèce de petit saloupio. Allez, on va y aller tranquillou, comme tout à l'heure. Ok, ça commence bien. Tranquillou, il faut y aller. On va éviter de se faire défoncer. Eh, mais vise-le, là. Oui, non. Hop. Le deuxième, derrière. Derrière, il y a un bonhomme. Et ils sont trop nombreux. Hop. Allez, ah, la caméra est pas terrible, terrible. Hop. Ah ouais, mais ils sont vachement nombreux en fait. Ah puis c'est pas évident pour être pressé. Peut-être changer d'arme. On va prendre mon petit pistolet en or. L'homme au pistolet d'or. Non, y'a personne qui veut loquer personne. Oh si. Hop. Elle est vraiment cool cette arme. Vraiment très très cool. Ah, en plus il y a deux business à choper. Je chope les mines, hein, surtout au passage. C'est très important. Wow. Ça, je suis pas trop d'accord. Surtout que ça doit venir de... Voilà. Il n'y a pas d'autres volontaires. C'est super classe ici. Dommage qu'on doit tout démolir. Boum boum. Ah, ça va, c'est pas trop mal. On s'en sort plutôt bien pour le moment. Ah lui il faisait sa ronde ou je sais pas trop quoi. Il se baladait tranquille. La vie est belle. Oh waouh waouh waouh. Cool, j'ai récupéré de la vie. On va recharger. C'est déjà rechargé en fait. Ah, parce qu'il tire vite en plus ce flingue. Il tire plutôt vite, c'est cool. Personne. Oh là, attends.
J'ai plus beaucoup de mun. On va prendre la mitraillette. Voilà. Ah, mais ça se fait cool. Vas-y, sors. Voilà. Recharge. Et là-bas, vite fait. Hop. Là, il n'y a rien. Ça, c'est bon. Peut-être aller voir en haut quand même. J'ai pas envie de me faire prendre par surprise. Non, apparemment, il y a plus personne en haut. Alors. Il y a Kiki en bas. Allez, on va pas se faire chier. Salut les gars. Quoi? Non mais c'est dégueulasse. Il y a un mec. Mais oui, il y a un mec. Mais non, mais là, je suis foutu. Je suis foutu. Non, je suis pas foutu. Je suis peut-être pas foutu. Quoi? Pourquoi ça a explosé? Oh, c'est dégueulasse. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Bon, bah, j'aurais perdu une fois. J'aurais perdu une fois quand même. Sur cet épisode. Oh non, 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 je suis dégoûté. J'y étais vraiment presque. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Salut, mec. Pourquoi il m'a montré du doigt? Il a pas peur. Toi, arrête-toi. Voilà. Ah, mais t'es pas un gentil, toi. T'es pas vraiment un gentil. Ouais, ouais, ouais. Je te vois bien venir. Ouais, on va vite fait, quand même. Prendre quelques magasins. Bonjour, monsieur. Voulez-vous travailler pour nous? Enfin, qu'on travaille pour vous? C'est cool. Merci à toi, bonhomme. Ouais, c'est cool, ça rapporte vraiment beaucoup. Ça rapporte vraiment beaucoup. On va peut-être aller voir aussi. Il y a quelqu'un, apparemment. Ouais, non. C'est un peu super gardé. Mais si, il y a plein de monde là, ici. Il y a plein de monde. Ils vendent quoi, tous ces gens? Il est carrément sur le kiosque. Tu vends quoi, toi? Oh! Ça m'intéresse, mais j'ai pas assez. Je suis désolé, il me manque à peine 1000 de... Ah non, si, j'ai 47 000. C'est bon. Ouais, niveau 2, ouais, ça va être plus efficace. Donc je commence à avoir des bonnes armes, hein, quand même. Un revolver niveau 3, mais avec plus de munitions dures. Et ce pistolet-là, j'aimerais bien l'avoir en niveau 3. Ça aussi, niveau 2, c'est cool. Ça, niveau 3, cette mitraillette, elle est cool. 1. Pourquoi il y a eu un bug? Ah ouais, il y a eu un bug. Il m'a mis le fusil canon simple. Alors que, en fait, je suis un fusil double canon maintenant. Et ça, c'est cool. Je vais voir vite fait là ce qu'il y a ici. Ce serait bien que je puisse acheter quelques munes. Et puis sinon, je pense qu'on va pas tarder à se quitter. Parce que comme ça, ça fera un épisode un peu plus court que d'habitude, certes. Mais. J'en ai combien de ça? J'en ai qu'une. Donne-moi-en une autre. Ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude. Mais on aura plutôt bien... Non, c'est Joker. On aura plutôt bien avancé quand même sur cet épisode, je trouve. Et donc, sur le prochain épisode, on va aller faire le dernier point bleu. Et la mission annexe aussi, j'espère qu'on pourra retourner sur l'île. Donc voilà, moi sur ce, j'espère que cet épisode, il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo, à laisser des petits pouces bleus et tout ça. Ça
fait toujours super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour le let's play et sinon demain avec Morgane pour la cave à jeu. Donc voilà, ciao ciao.